sincèrement, la CAN m'a beaucoup marqué. C'est la CAN de 2015. Plus précisément, la finale. Sincèrement, je ne m'attendais même pas à ça. Je ne pensais même pas même qu'on allait remporter cette CAN. Champion, mon frère, champion! Champion! Parce que, d'abord, lors des tirs au but, dès que nos deux premiers tirs ont loupé, immédiatement, je suis sorti de la maison, je suis allé commander de la nourriture. Arrivé là-bas, dès que j'ai passé ma commande même, j'ai passé ma commande, j'attends un copain fort. Immédiatement, il laisse la nourriture, il court, je reviens devant la télé et voir les deux joueurs gagnés ont raté. J'ai commencé à suivre en même temps. Appris à quoi ? L'arrêt de Copa Barry, et pourquoi pas ? Face à Copa Barry, à Chiambong, c'est à côté 1. De là à là, je vois en même temps Copa prendre le dernier titre et lui marque. Manger la main au blé, moi je dormi dehors. Je n'ai même pas dormi à la maison, mais au blé. Aïma, c'est arrêté par Copa Barry. Il y a 3 ans jour pour jour, Copa Barry a au bout du pied le deuxième titre continental de la Côte d'Ivoire. Copa Barry qui s'élance. Qui s'élance et qui transforme. Et Copa Barry qui offre cette Coupe d'Afrique des Nations à la Côte d'Ivoire. Hervé Renard est un magicien. On a dormi au jardin public, à Dabou. On a dormi au jardin public de Dabou. On a dormi là-bas. Tellement on était content, on était très très en joie. En tout cas, cette canne m'a marqué. On peut me permettre de regarder. Chaque jour, je regarderai jusqu'à quand je regarderai encore. Parce que je suis très fier de cette carte, je suis très fier de mes enfants. Voilà. Vive la Côte d'Ivoire, vive les enfants de Côte d'Ivoire. Oh yeah.